Des guermates et bienvenue à Port-à-Ligain. Cette fois-ci, on est sur un Zodiac Medline 6.8. Alors, si vous ne savez pas, avant, il y avait le Zodiac Medline 660 et le 740 et d'autres comme ça qui ont été remplacés. Le 740 est devenu le 7.5 qu'on voit ici après une énorme révision. Et ensuite, c'est donc celui-ci, le 660, qui est devenu le 6.8 et qui, contrairement au 740 qui a subi une assez grosse révolution, là, c'est la révolution où tout le monde a été décapité et on a tout refait. C'est-à-dire que s'il reste des bases et l'excellente carène du 660, tout le reste est complètement refait. Il faut seulement le savoir pour savoir que ce bateau est en fait un renouvellement d'une version existante. Il est beaucoup plus moderne en look, mais surtout l'aménagement a été complètement revu et on se retrouve avec un bateau qui paraît beaucoup plus grand, qui est beaucoup plus beau à mon goût, avec une ergonomie bien plus moderne et des aménagements bien plus modernes. On va commencer par l'avant puisque c'est le plus facile. Devant, on va retrouver donc cette plateforme qui peut recevoir un pont EVA avec un petit davier, mais en réalité, c'est ici qu'on va retrouver l'ancre, sous ce joli coussin. Et sous ce coussin, on a donc l'ancre. Il existe en option un guindeau. En dessous du coussin qui suit, on va avoir, comme chez souvent chez Zodiac, un grand coffre étanche, avec là un accès technique pour ce qu'il y a en dessous. Et là, comme c'est une spécialité Zodiac, le réservoir est plutôt devant, ce qui vous offre du poids devant non négligeable en navigation. Donc l'accès à l'essence se fera ici pour remplir votre réservoir. Devant, alors c'est plus esthétique, on aime ou on n'aime pas, mais Zodiac a choisi d'avoir cette console avec ses rebords, ce qui fait que vous avez une assise moins large. Avant, on pouvait mettre deux personnes, maintenant c'est une seule personne. Là où il y a une énorme révolution, donc c'est la console, et cette console, on voit qu'elle est beaucoup plus moderne. Déjà, puisqu'on estime visiblement que les compas sont inutiles, mais on a la place de mettre un grand GPS. Alors là, c'est pas un immense, c'est un Garmin qui doit faire 7 pouces, mais les bateaux viennent en standard avec des prises 12 volts et USB. Ici, on a un emplacement parfait pour instantanément mettre une bouteille d'eau, poser son smartphone. Là, on a une petite aération. Alors, c'est une option, c'est un peu malheureux, mais il y a une main courante autour de la console. Il faudra juste se méfier, si vous êtes un peu grand ou en navigation, à pas vous la prendre dans la tête. Elle revient un peu proche du pilote. Dans l'idéal, il aurait fallu qu'elle s'arrête à peu près ici et qu'elle passe devant le pare-brise. Derrière, et c'est là que ça change énormément pour Zodiac, c'est qu'on a à la place d'un bolster très simple, on a comme sur son grand frère le 7.5 et encore grand frère le 9 mètres, on a donc cette assise qui offre la possibilité d'être en bolster en appui fessier, mais si vous la baissez, vous vous retrouvez avec une assise très confortable et jusqu'à une certaine vitesse ou un certain état de la mer, ça vous donne une assise extrêmement confortable pour naviguer bien calé. À côté, vous avez la place pour une deuxième personne. Ici, vous avez les interrupteurs qui seront donc plus ou moins nombreux selon les options que vous avez prises. Un petit coffre étanche ici, assez profond puisqu'il occupe la console. On pourrait presque mettre une trappe plus grande en fait, ce qui offrirait la possibilité de mettre plus de choses. Derrière, et c'est donc là la nouveauté dans les gammes Medline, ce sont ces énormes remontées. Alors de ce côté-ci, vous pouvez avoir un siège strapontin qui vous permettra d'avoir un U. Derrière, vous pouvez avoir donc un siège supplémentaire en strapontin qui vous permettra d'avoir un U complet. Avantage, effectivement, vous avez un U complet, vous pourrez plus facilement avoir un grand bain de soleil, mais énorme inconvénient, c'est que ça va quand même manger l'espace à bord et gêner la circulation devant. De plus, si vous êtes assis ici, il n'y a pas tellement la place d'avoir quelqu'un d'autre assis ici avec ses jambes. Et l'autre gros inconvénient à avoir cette option, que je ne conseille donc pas, c'est que vous vous retireriez la possibilité d'avoir, de profiter facilement de cet accès extrêmement bien conçu pour aller à l'eau. Il y a cette partie de dossier qui se retire avec une poignée qui a été rajoutée pour pouvoir le retirer plus facilement. Et là, vous allez avoir en dehors de l'arceau qui mange très légèrement le passage, un passage très aisé vers les plateformes Zodiac qui sont très réussies, et notamment avec ces échelles qui sont parfaitement dimensionnées. Contrairement à d'autres marques qui pourraient privilégier les échelles magnifiques qui sont télescopiques et rentrent à l'intérieur des plateformes, ici elles ne rentrent pas à l'intérieur des plateformes, elles se mettent sur le dessus, elles sont très bien dimensionnées et surtout pas d'oubli de poignée. Vous avez deux grandes poignées bien adaptées pour les grands gabarits ou même pour n'importe qui ou pour des enfants, ça aide à sortir de l'eau. Et passer les poignées, vous en avez une sur le flotteur. Derrière, plus de matski, ce qui a permis de reculer considérablement le dossier et de gagner de l'espace à bord. Là, vous avez, pour relever le moteur plus facilement, le dossier qui s'incline, surtout sur les grosses motorisations. Et en option, donc, comme il n'y a plus la place, vous avez cet arceau. Les plateformes qui sont sur le côté, là, elles ont un énorme avantage, c'est qu'elles offrent la possibilité d'avoir des taquets parfaitement dimensionnés. En option, vous avez ce roll bar qui
est un peu plus léger que sur le Medline 7.5 comme on peut le voir ici, et qui va vous permettre d'avoir un bimini. Alors le bimini, on en pense qu'on veut, mais quand vous êtes au mouillage et que vous voulez profiter d'un carré arrière grand comme celui-ci, ça aura l'avantage de vous permettre d'avoir un cocon à l'ombre et de profiter de votre après-midi. Ici, sous le bolster, vous allez retrouver un coffre assez profond. Donc là, vous voyez qu'il est rempli de tous les gilets de sécurité. Sur vérin, donc qui tient facilement. De ce côté-ci, c'est un énorme ajout sur ce bateau. On a ce grand coffre en long dans lequel, normalement, on arrive à glisser un wakeboard, mais alors ce sera sans les chaussures, et des skis nautiques, ou l'un ou l'autre. Donc c'est pas un coffre avec une forme tout à fait classique, mais qui aura au moins l'avantage de vous offrir la possibilité de mettre des objets longs. Le dernier coffre qui sera celui-ci, avec très volontaire pour s'ouvrir, les vérins ont ne devrait pas lâcher tout de suite, enfin le vérin. Là, ce sera vraiment le coffre technique. Vous allez y mettre vos amarres, c'est là que se loge la batterie. C'est pas un accès très facile, mais c'est le coffre arrière classique qui a quand même l'avantage d'être, pour la taille du bateau, relativement profond. Maintenant, parlons un peu pilotage, parce qu'un bateau qui se pilote pas, ce serait pas un bateau marrant. Sur celui-ci, on a un 200 chevaux Yamaha, qui est en fait la puissance absolument idéal pour le programme de ce bateau. La carène, je la connais parfaitement puisqu'elle est assez répandue dans le groupe Zodiac, que ce soit en bombard ou en Zodiac. Je peux donc vous dire que oui, c'est un bateau qui peut prendre plus de 45 nœuds assez facilement selon le moteur et selon la configuration. Là, vous êtes dans une configuration famille. Donc, si quelqu'un a vraiment très envie de s'amuser, de se faire plaisir, et sûrement de faire un peu peur à tout le monde dans sa famille, il peut prendre un 250 chevaux, mais c'est pas, vous n'êtes pas non plus, si la position de pilotage est relativement confortable, ce n'est pas non plus la position de pilotage idéale pour faire des runs à 50 nœuds. Donc le 200 chevaux suffira amplement, les 40 nœuds se dépassent très facilement, le moteur ne sera pas trop lourd, le bateau restera donc bien plat, bien stable, et ça vous offrira un minimum de plaisir de pilotage, si ce n'est déjà un bon plaisir de pilotage, tout en ayant largement cette puissance, une consommation raisonnable pour l'utilisation familiale auquel le bateau est destiné. Si vraiment c'est avec la même carène que vous voulez faire du pilotage sportif, à ce moment-là, il faudra vous tourner vers un pro, vous aurez la même carène, vous pourrez vous faire un poste de pilotage adapté à aller vite, mais pour profiter sereinement et s'amuser un peu, le 200 chevaux, que ce soit ce Yamaha ou un autre chez les concurrents, sera parfaitement adapté à ce bateau. Surtout un 4 cylindres comme ça, qui sera pas trop lourd, puisque pour les puissances supérieures, à l'exception d'un ou deux moteurs, il faudra se tourner vers des V6 qui seront donc beaucoup plus lourds. Pour le budget, il va falloir compter quand même autour de 70 000 euros, un peu plus, un petit peu moins, ça dépend comment vous négocierez, comment vous prenez le bateau. Mais si vous êtes de ces gens qui veulent pouvoir remorquer leur bateau, ou même pas le remorquer, mais ne pas payer de taxes et avoir quelque chose qui fasse la sensation d'avoir un vrai bateau en semi-rigide, vous ne pourrez pas être déçu par ce bateau. Vous aurez quelque chose d'extrêmement marin et de très agréable en famille. Bah, j'espère que ce petit tour du 6.8 vous a plu. Alors celui-ci nous a été gentiment prêté par Quiberon Nautique, où vous pourrez retrouver ce bateau à la location et évidemment à l'achat. Donc n'hésitez pas à vous adresser à eux. Pour conclure sur le bateau lui-même, c'est un bateau qui a des avantages non négligeables comme d'être extrêmement marin, d'être performant sans aller à la puissance maximale, d'être confortable, que ce soit grâce à sa sellerie, à son passage en mer, à ses dossiers, à tous les petits détails qui sont mis en place par Zodiac. C'est une évolution extraordinaire par rapport à leur ancienne gamme. Et vous aurez, malgré des petits défauts ici et là, dont certains qui pourraient être corrigés, que ce soit par le propriétaire ou par Zodiac, un bateau vraiment très réussi qui vous procurera du plaisir en famille, vous en tant que pilote, pour un budget de 70 000 euros ou un peu plus, ou un peu moins, selon l'occasion que vous aurez d'en acheter un, mais qui ne pourra pas vous décevoir pour une utilisation à laquelle il est destiné, c'est-à-dire des sorties en famille, du wakeboard, du ski, de la plage et de la navigation dans des criques et des choses comme ça. Merci d'avoir regardé, à bientôt, Kenavo.